Violaine, on est de retour à Albertville parce qu'il faut dire que les librairies dans toute la France sont rouvertes. Ah, et particulièrement la librairie des Bauges. Hein. Oui, nous avons rouvert dès le 11 mai. Dès que nous avons pu rouvrir, nous avons rouvert avec plaisir. On était contents de retrouver nos clients. Le livre dont je voulais vous parler, c'est Les recettes de la vie de Jackie Durand. Alors, dans ce livre, on part dans une cuisine. C'est l'histoire d'un jeune garçon dont le père est cuisinier autodidacte. Cet homme a fait la guerre d'Algérie, au retour il n'avait pas de travail et s'est lancé dans la cuisine un peu tout seul, où on trouve une famille, le père, la mère et le fils. Le père est cuisinier, il a appris la cuisine en autodidacte au retour de la guerre et il s'est marié avec une femme qui est professeure de français, donc d'un milieu très différent. Lui il est d'un milieu très simple, ouvrier, il n'a pas fait d'études et son épouse est au contraire a fait des études, professeur de lettres, etc. Et au milieu, il y a leur fils qui est un petit peu partagé entre ses parents, mais qui est très attiré par la cuisine de son père, qui l'aide, qui passe beaucoup de temps à ses côtés et avec qui il a une relation presque fusionnelle. Et donc le livre nous raconte l'évolution de cette relation entre le père et le fils quand le père tombe malade et que le fils s'apprête un petit peu à prendre sa suite. Donc c'est une histoire très très belle, très fine, qui nous parle bien sûr de cuisine, mais qui nous parle beaucoup des relations père-fils, des liens qui peuvent se tisser entre eux quand la mère n'est pas forcément là, et de l'évolution que peut prendre la vie pour un jeune garçon qui grandit comme ça aux côtés de son père. Merci beaucoup.